Wesh l'équipe, bien ou quoi, c'est Yoachicha, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super les gars. On se retrouve aujourd'hui les gars dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Enfin, une vraie vidéo. On s'est posé tranquillou sur le canapé, le petit décor des familles. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va tester un nouveau modèle les gars qui vient tout juste d'arriver d'une petite marque russe. On va en parler juste après les gars. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas les gars à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, commentaire, vous connaissez comme d'habitude. M'ajouter sur les réseaux sociaux, Snap et Instagram, c'est très très important les gars, venez me follow, c'est super important. Et aujourd'hui l'équipe, on va parler d'un nouveau modèle. Voilà, petit modèle russe, on va être sur la Matpyr Mini M, petite marque russe qui est très 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 sympathique les gars, on va en parler tout de suite. Du coup l'équipe, la Matpyr, là on est sur le modèle Mini M, donc sur le petit modèle de leur marque. Déjà très très propre, on l'a reçu, enfin je l'ai reçu dans un petit emballage, un petit packaging très très stylé. Tout ce qui était colonne, colonne, bague et tout, assez, je l'avais reçu dans une petite boîte comme ça fait penser un peu au style design un peu Apple, assez chic, très très joli. Donc là dedans on va retrouver tout ce qui est colonne, bague, connecteur, soupape, assiette. Et franchement déjà au niveau de la boîte c'est très très joli. Devant vous avez le haut de l'achat avec l'assiette, le connecteur tuyau, le nom de la marque, donc Matpyr avec le petit logo. Hop, derrière on a le nom du modèle, donc c'est la mini, tout simplement. Au niveau de la boîte du vase, donc je vous la montrerai pas parce que ça sert à rien, on est sur une petite boîte assez cartonnée, basique. On sort dans un carton, mais déjà, niveau packaging, c'est très très beau. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver un petit certificat d'authenticité comme ceci, voilà, avec le logo Matpyr. Alors, on va avoir le nom du modèle, donc là, c'est écrit en russe, mais en gros, on va avoir le nom du modèle. On va avoir le numéro de série, donc moi, c'est la 85, c'est la 85170. Normalement, on a une petite gravure qui est inscrite aussi juste ici avec le numéro de série du modèle. La date, donc c'était la date de sortie, donc c'était le 02 décembre 2020, avec le tampon de Matpyr. Quand on va ouvrir à l'intérieur, hop, voilà, il y a tout ce temps en gros qui prouve le certificat d'authenticité. Je ne vais pas vous lire parce que c'est écrit en russe et je ne comprends pas le russe. Mais voilà, vous avez un petit certificat d'authenticité pour prouver que c'est un vrai modèle que vous avez reçu de la marque. Et admettons, si vous voulez le revendre plus tard, ben, au moins ça prouve que c'est un vrai modèle. Hop, ensuite on va retrouver avec, on aura des petits stickers, voilà, comme ceci, à coller un peu où vous voulez, voilà, des petits stickers assez simples. On va retrouver un petit guide, donc un guide au niveau de la marque. Donc à l'intérieur, on va retrouver, on va avoir quoi? Alors, ils font aussi une marque de tabac, ok, donc on a du 250 grammes, on a du 50 grammes. Ok, donc c'est écrit en russe, donc ça va être très compliqué d'expliquer un peu tout ça. Mais en gros, voilà, là, on a une petite carte avec leur marque de tabac, avec les feuilles adaptées pour utiliser. Franchement, c'est très très cool. Voilà, très très joli, très très bon design. À l'intérieur de la boîte, quand vous allez commander ce modèle-là, vous allez recevoir du coup le modèle de la chicha. À l'intérieur, vous aurez un petit silicone soft touch fourni à l'intérieur, petit ressort pour éviter que votre tuyau se plie. On va recevoir aussi un manche en métal inoxydable, très très simple, très joli, avec le logo gravé Matpyr ici. On a un petit bout arrondi ici pour avoir une bonne prise en bouche quand vous allez tenir votre tuyau. On est sur un poids quand même assez balèze. Franchement, on voit que même le manche, c'est de la qualité. Il est très très lourd. Il fait vraiment manche assez vraiment qualitatif. Donc après, bien évidemment, comme je disais, vous allez avoir le joint. Vous allez avoir un joint de tête de fournée à l'intérieur. Donc franchement, déjà, vous allez être nickel par rapport à ça. Au niveau du vase, on va commencer par le vase. Au niveau du vase, on est sur un vase de bohème. Donc très très qualitatif, très très solide. Hop, comme vous l'entendez, on va faire attention de ne pas éclater les charbons. Mais très 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 lourd, très très quali. On a un vase vraiment assez épais, assez robuste. Donc franchement, il est super beau le vase. Il est très très clean. La qualité de verre, c'est vraiment incroyable. Je sais pas si vous le voyez, selon les modèles que vous voyez ou quoi. Vous avez vraiment des verres différents. C'est comme le Nero Glass. Admettons le Nero, vous avez le Echo. Et le Nero Glass ce Pro, quelque chose comme ça, et bah la qualité de verre c'est pas la même. Là on est sur une qualité de verre de bohème, franchement c'est magnifique et c'est très très robuste. Ensuite on va retrouver du coup le plongeur à l'intérieur. Donc on va avoir un plongeur sans diffuseur, on va avoir un tirage semi-lourd. Donc on va avoir un tirage quand même un peu lourd, mais pas énormément lourd comme des grosses radios quoi. Donc c'est semi-lourd à peu près, de toute façon vous allez l'entendre quand je vais tirer. Vous l'entendez, ça fait un petit peu de bruit, il y a des petits remous avec l'eau que vous étirez, ça va faire plein de petites bulles. Donc franchement, voilà, j'aime bien ce tirage-là. Moi, personnellement, je suis habitué au tirage fluide, mais là, personnellement, le tirage ne me dérange pas. J'aime énormément le tirage, on sent vraiment qu'on tire vraiment sur la chicha. Franchement, j'ai kiffé le tirage. Ouf.
On a vraiment un plongeur assez fin, donc pour tout ce qui est remous et tout, sans diffuseur, on va avoir juste un petit liseré autour, mais pas fermé en fait. Ensuite, quand on va remonter, on va avoir la bague. Du coup, la bague, on va avoir une bague pleine. On est sur une bague vissable aussi avec le vase. Donc, vous allez prendre votre vase, vous allez clipser dessus, vous allez le visser. Voilà, c'est vissable. Un peu plus d'un quart de tour et là, le modèle est vissé. Donc, une bague pleine, franchement, ça fait plaisir. Quand vous allez purger votre fumée du vase, ça va expulser entièrement la fumée. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Même pas une taf, le vase de la chicha est complètement vidé. Ensuite, du coup, on va revenir au niveau de la purge. Hop, donc on a une soupape assez classique. Et ce qui est pas mal, c'est que la soupape, hop, est aimantée. Comme ceci, on a une petite bille en verre à l'intérieur, assez lourde. Hop, et vous allez mettre comme ceci. Hop, et ça va se clipser. Et pareil, du coup, pour le connecteur tuyau. Hop, comme ceci. Connecteur tuyau aimanté, assez fin. À l'œil, je dirais que c'est du 14-4. Voire un peu plus petit, je sais pas du tout au niveau de la taille, ça n'a pas été précisé, mais c'est pas du 18, on est sur, ouais, j'ai l'impression que c'est du 14-4 un peu comme des chini. Hop, comme ceci, hop, ça se clipse, c'est aimanté, c'est nickel, c'est simple et efficace. Du coup voilà, donc on va brancher directement après son silicone sur le connecteur avec le ressort. Ensuite on va passer à la colonne assez simpliste, avec un petit revêtement ici, avec une petite boule, assez esthétique, assez jolie. Au niveau de l'assiette, on est sur une assiette vissable, une assiette un peu arrondie, assez classique, mais moi perso j'aime bien. Ça fait vraiment vrai modèle, ça fait pas kitsch, ça fait pas gadget, c'est très sobre et en même temps raffiné. Personnellement, je la trouve très jolie. Du coup, pour la qualité de l'acier, on est du coup sur un acier inoxydable de la marque, donc c'est AISI 304, durable et sûr dans le temps. Au niveau des éléments décoratifs, ils ont appliqué un polyacétal de haute qualité durable testé dans le temps. Donc en gros, on est vraiment sur un acier très propre, très bien traité, très très propre, ça ne va pas rouiller dans le temps. On est sur un acier inoxydable polyestal. Donc c'est un truc un peu comme pour les chirurgiens qui utilisent un peu dans la médecine. Donc on est vraiment sur une qualité d'acier assez haut de gamme. Donc franchement, très très joli. Dans tous les cas, ça se voit à l'œil. On voit que c'est vraiment très bien traité. Au niveau des détails, mettons de la colonne ou quoi, on voit vraiment que l'acier est propre. Il évite les rayures, donc ça c'est plutôt pas mal. On est vraiment très qualitatif au niveau de l'acier du coup. Aussi, ce qu'il y a à noter, c'est vraiment pas mal, c'est que vous avez une garantie dessus sur ce modèle-là. L'impression d'acheter une voiture ou un téléphone. Ce modèle-là est garanti 5 ans. Donc voilà, donc si vous l'achetez sur leur site internet, et bah en gros, ce modèle-là sera garanti 5 ans. Bon, si c'est vous qui cassez un vase et quoi, ça rentre pas dans la garantie, mais si admettons que vous la recevez, il y a un petit problème, je sais pas, un problème d'usine ou quoi, vous pouvez la renvoyer, ils vont vous renvoyer un nouveau modèle directement vu qu'elle est garantie. Ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va parler maintenant du vase. Donc, on est sur une qualité de verre de Bohème. Il est fabriqué manuellement, donc c'est du verre avec rendu d'épaisseur de laboratoire. Il a une force accrue avec des différentes températures fortes. Le matériau se distingue par une transparence élevée, donc transparence qui simplifie le contrôle du niveau d'eau. Donc voilà, donc on est sur une qualité vraiment de verre assez ouf de Bohème, franchement, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est très qualitatif, qui résiste bien évidemment à tout ce qui est choc thermique, donc le chaud, le froid. Donc le vase ne va pas péter instantanément. Du coup, on sera en base vraiment très très robuste. On va parler du coup aussi du tuyau silicone qui est très important, qui est très à noter. Le tuyau silicone, du coup, il est fabriqué à partir de silicone médical hypoallergénique. Et là, il y a du coup un revêtement soft touch agréable. Donc en gros, un revêtement soft touch, c'est quoi? C'est la matière douce. Voilà, donc il est fait en hypoallergénique pour pas avoir de problème ou quoi au niveau de la qualité. Et un revêtement soft touch par-dessus qui va que ça soit assez doux et que ça prenne pas les poils ou quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu des modèles un peu plus bas de gamme, mais sur certains modèles, vous avez des tuyaux soft touch, enfin des tuyaux silicone qui ne sont pas soft touch, pardon, et en gros qui accrochent, qui prennent la poussière, les poils de chat ou quoi, c'est pas très fou. Là, on est sur un silicone, voilà, soft touch, ça prend pas les poils, c'est très facile à laver avec un petit coup d'eau dedans et c'est nickel. Aussi, du coup, par ailleurs, j'ai pu tester leur récupérateur de molasse. Donc, ils ont un petit récupérateur de molasse, pardon. Voilà, très très cool. Hop, dans une petite boîte comme ça. J'aime vraiment leur packaging. Ça fait vraiment qualité un peu Apple, ça fait vraiment propre au niveau de la qualité des boîtes et tout. Du packaging, hop. Et à l'intérieur, voilà, on va retrouver le petit récupérateur de molasse qui va venir se visser juste au-dessus à la place du connecteur tuyau. Et en fait, tout simplement, qui va venir récupérer, admettons, la glycérine de votre tabac. Là, admettons, je suis sur mon aéroglace. Moi, il y a énormément de glycérine qui coule. Et bah, ce qui est pas mal avec ça, quand vous allez mettre le récupérateur de molasse à la place du connecteur, bah,
La glycérine va s'infiltrer à l'intérieur du récupérateur qui va permettre de récupérer du coup la mollasse et qui va éviter que ça coule dans votre colonne pour l'encrasser et que ça évite de tomber dans le vase au fur et à mesure. Donc franchement très très cool aussi ce petit récupérateur là. Il bride pas énormément, franchement j'ai testé, il est plutôt pas mal aussi. Et du coup même la purge. La purge, je l'aime énormément. Elle est assez simpliste, on est sur une purge classique avec plusieurs touts tout autour. Et quand vous allez exporter la fumée, ça va s'évaporer d'un coup comme ça. Mais je sais pas pourquoi, je la trouve assez stylée. Quand on souffle, on entend la petite bille qui saute. Et je sais pas, ça fait un vrai effet. Je sais pas pourquoi, j'adore la purge de cette chicha-là. Franchement, j'ai bien kiffé ce modèle-là, il est très très propre et vraiment très très qualitatif. Ce qui est pas mal du coup aussi, c'est que sur leur site internet, du coup, matpeer.com, et bah, ce qui est pas mal, vous pouvez customiser pardon, votre chicha. Vous avez plusieurs tailles de vases différents, vous avez plusieurs modèles différents, donc vous pouvez l'assembler directement. Quand vous allez sur le site de Matpeer, vous allez choisir, admettons, ce modèle-là, donc moi c'est la Mini M. Vous allez la choisir et vous allez pouvoir la customiser, donc prendre plusieurs vases différents, et ça franchement, c'est super cool. Au niveau du prix, alors on est sur 224$, donc j'ai fait la conversion en euros. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait à peu près 189€. Donc au niveau du prix, ça reste un prix quand même, mais ça reste quand même vraiment assez abordable au vu de la qualité qui est présentée sur ce modèle-là. On est sur un vase quand même en verre de bohème. On est sur un acier inoxydable très très bien traité avec des produits chirurgicaux très très propres. Même ça y va même jusqu'au thio silicone qui est hypoallergénique, qui vraiment fait vraiment de la bonne qualité. Et honnêtement, pour 189€, là vous aurez un modèle vraiment très qualitatif et qui va vous durer dans le temps. C'est le but. Quand des matériaux comme ça sont utilisés dessus, du coup, franchement, c'est vachement propre. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller le voir, le lien sera dans la description. Donc, c'est matpeer.co. Si vous voulez aller voir, il y a différents modèles. Vous avez là la Mini M, vous avez des chichas beaucoup plus grandes, des chichas de transport. Les modèles, vous avez beaucoup de modèles différents. C'est très très propre, il y en a pour tout le monde. La qualité est au rendez-vous. Si vous voulez vous en procurer, comme c'est sur leur site internet, pour l'instant, en France, vous ne pourrez pas la trouver puisqu'il n'y a aucun revendeur aujourd'hui de distributeur qui la distribue encore aujourd'hui. Mais elle est disponible sur le site russe ou en Russie. Voilà, si vous voulez vraiment, admettons, vous la procurer, et bien vous êtes dans la description, je vous mettrai le lien sur le site. Et là, vous pourrez la commander si ça vous fait plaisir. Mais honnêtement, globalement, très très bon modèle. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que je l'ai testé. Comme pour ceux qui me suivent sur mes lives YouTube tous les soirs, j'ai fumé beaucoup dessus. Beaucoup de gens ont vu qu'on trouvait très très joli. Moi perso, j'ai complètement adhéré. En ce moment, je suis que sur ce modèle-là. Il est très très qualitatif. Et franchement, c'est très très beau. C'est de la qualité, c'est beau. J'aime l'innovation comme ça. Les matériaux de qualité employés sur des simples chichas qui est de base. Et maintenant, on fait vraiment des trucs de fou. On fait des modèles de fou avec des vases de bohème en vase de cristal. On a de l'acier de chirurgien. C'est vraiment quelque chose de fou. Et c'est très très propre. Moi j'ai complètement adhéré. Je sais pas si vous avez kiffé, si vous aimez ce modèle là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce modèle ou pas. Du coup, voilà. Je pense que j'ai fait globalement le tour de ce modèle là. Si vous avez plus de questions, d'informations en commentaire, les gars, n'hésitez pas. Si la vidéo vous aura plu, pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, les gars, pour le référencement, ça aide vraiment énormément. Et l'abonnement, vous connaissez, hein, on espère avoir passé bientôt les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas, les gars, à partager à tous vos collègues, à s'abonner, mettre la cloche et tout ce qu'il faut. On fait souvent aussi des lives le soir sur YouTube, donc mets la cloche de notification le soir, comme ça tu seras alerté quand je ferai un petit live. Et du coup, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à m'ajouter Snap et Instagram, ça fait plaisir. C'était Yohan Ticha. Allez, bye tout le monde. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.